Hanouna le matin, 6h-9h sur Virgin Radio. Hanouna le matin. Raymond, il n'est pas seul, il est avec Gégé de Koh-Lanta. Rappelez-vous de Gégé de Koh-Lanta, hein, c'est en septembre 2011, hein, 11e saison de Koh-Lanta. C'est un débrouillard au cœur tendre, originaire de l'Eure. Ah oui. Gégé est passionné de pêche sportive et de bricolage et de chats, allant jusqu'à créer un parc consacré aux chats de race. J'adore. Eh oui, c'est le Chatérix. Ah, c'est pas mal. Le parc Chatérix, c'est comme Astérix, mais que les chats en fait. Voilà. Les chats, on a dit. Gégé et Raymond vont aller pêcher chez le poissonnier. Ils ont un harpon. Et en fait, regarde. Ah, Jacques Sparrow ? Ouais, il est. Alors, vas-y, Gégé, je suis avec Gégé. Bon, regarde, là, il y en a des bouts, là. Regarde. Où ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi comme poisson ? Regardez, on plante direct. Plante-le, Gégé. Bon, c'est pour la tribu, madame. Il va nourrir tout Koh-Lanta à lui tout seul. J'arrive à l'attraper ? Attends, je le prends par la queue. On en a pris un. On a une sardine. Bravo. J'ai l'impression que le poissonnier est véhément, non ? Ah oui, à mon avis, il s'est pris une seule dans la tête. Hein. Ouais. Alors, qu'il lui envoie des oursins. Je vous explique un petit peu l'histoire. C'est qu'ils sont allés chez un poissonnier avec un harpon, avec deux harpons. Normal. Et en fait, ils essaient de pêcher du poisson directement chez le poissonnier. Sur le stand. Forcément, c'est peut-être un peu mal passé. Voilà, donc GG le pauvre, il est venu dans cette galère. Le gars était tranquille, il se retrouve à 8h15 chez un poissonnier en train de faire des conneries. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Virgin Radio.